With the rising trend of population increase, climate change, and congestion on natural resources, there is the daunting task to preserve resources for the betterment of human life. After the economic crisis which rocked the sub-Saharan African countries in the 1980s, the food sector was one of those which suffered the greatest blow, prompting the need to engage into giant programs for the enhancement of food security. The United Nations, through one of its major organs, the Food and Agricultural Organization, the FAO, and Cameroon's Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries, have brought in various programs to project and promote animal husbandry, poultry farming being a major aspect. Poultry farming as a lucrative economic investment encounters as many hurdles as any other sector of the economy. Some of the layers suffer from fragile bones and eggshells, which result into broken bones and eggs. These broken bones and broken eggs come as a result of the lack of bone reinforcing and eggshell strengthening minerals such as calcium, iron, phosphates, and others. Some of these problems greatly affect productivity, as broken eggs imply lost income. Another creature, the rough-horn snails, steps in to handle the problems of weak bones and eggshells. Rich in minerals, the rough-horn snail shells come in to solve the problems of eggshell issues by providing the much-needed calcium and other minerals. One of the investors in the business of harvesting and processing of rough-horn snails, based in the Deido neighborhood of Douala, Mr. TIWA Yeneda Alex. Je suis TIWA Yeneda Alex, né le 25 mai 1963 dans la Béni, Ngumba. Après mes études, qui se terminent en 1990, je suis un aide magasinier dans une entreprise de la ville de Bamenda. 5 ans après, je me trouve en train de m'exercer moi-même sur la route du Nigeria faisant le petit commerce.
ce commerce avait fructueux. Avait fructueux, si bien que je parviens à réaliser beaucoup de choses, à savoir acquérir un petit lopin de terre à Bamendaville, où j'ai bâti une petite maison familiale, et ensuite beaucoup d'autres petits projets que je réalise avec plusieurs boutiques. Je me trouve en train d'espérer, de projeter mes efforts sur la route du Nigeria. Alors, chemin faisant, un ami, un frère, me demande de ne plus passer par Ekoko. La route était tellement mauvaise. Et on emprunta donc désormais la route de Edinar, passant donc par la mer, sortant par Orun, dans un état du Nigeria. Bon, chemin faisant, le business a bien fonctionné, a bien produit des bénéfices. Mais à une grande surprise, 4 ans après, les coupeurs de route, les bandits maritimes, ils ont cassé au niveau de capacité, avaient une embarcation de cigarettes que nous avons achetées, particulièrement le Benson et le SNAILS. Et nous dépouillons complètement de l'embarcation. Ils nous demandent de rentrer chez nous. Bon, chemin faisant, nous rentrons à la poste à Limbe. Même je vais me projeter par la suite à ce business. C'est que lors de mon passage au Nigeria à Oron, j'ai découvert cet animal en bordure de l'eau. Les gens étaient en train de l'exploiter. Ben, curieusement, j'ai pris du temps de l'observer. Mais jusque-là, ça n'a pas été mon deuxième business. Mon deuxième business fut de rentrer au Nigeria, acheter des tronçonneuses et d'aller en bourse. J'ai essayé de voir pendant beaucoup d'années. La maladie m'a fait sortir de bourse. Bon. Voilà donc le deuxième business. Et le troisième fut enfin cet animal que j'ai découvert dans le fleuve Ouri, là où je suis présentement, au bord du fleuve Ouri. J'ai découvert cet animal qu'on appelle l'escargot, d'autres les appellent les huîtres. Bon, en d'autres termes, en beaucoup de termes, il a beaucoup de noms, beaucoup de vertus. Bon, ce qui me pousse à travailler pour cet animal, c'est que connaissant ses vertus dans l'alimentation de la volaille en particulier, et sachant là où je pouvais le livrer, parce que après des enquêtes, j'ai compris qu'il était riche en calcium, riche en fer, ce qui était des éléments recherchés dans la volaille. Bon, je fus en prenant une quantité que je livra à SPC de Barfoussan. Bon, SPC m'a confirmé que c'était un produit qui tenait. Je me suis donc retourné au bord du Mouré, dans lequel j'ai exploité, j'ai fait à peu près 10 tonnes. 10 tonnes de cette coquille. Harvesting of these crustaceans depends on the tides. Harvesting, our harvesters must wait for the tides to fall in order to easily access these snails, which are found on the sea floor. Thank you.
Je suis en train de faire ce trou pour recueillir de l'eau qui va me servir de rinçage, de rincer les coquilles parce que c'est un produit qu'on réunit dans la boue. Donc ça va, l'eau là va me servir de faire sortir la boue. Je vais donc faire un deuxième trou parce qu'au fur et à mesure que l'eau est en train de s'avancer, je n'aurai pas assez d'eau. Je pourrais aller plus loin.
The fowl's feed is a composition of a range of elements. These elements are powdered before being served to the layers. The food is a mixture of ground maize, cow bones, soybeans, granules, dry fish, and the eggshell hardening snail shells, commonly referred to as seashells. Avoir collecté de l'eau, on les entasse et on met juste du bois de chauffe. Et ça brûle exactement comme le bois. Ce qui m'a fait reprendre espoir, de prendre goût de vie, de ressortir enfin dans l'entière misère, de nourrir au moins les enfants, de les envoyer à l'école. C'est un métier sale, mais là, il n'y a pas l'argent sale. L'argent, c'est l'argent quand tu vas à la banque, on demande pas de vêtir avec ton argent. Ça, j'ai demandé aux jeunes qui peuvent faire autant que je faisais. Je suis déjà fatigué, je ne peux plus faire ce genre de travail comme je le faisais il y a 4 ans. Donc, je demanderai aux jeunes qui peuvent connaître les vertus de ces escargots, de s'imprégner aussi dans ce genre de travail et au lieu d'aller vagabonder au quartier. Qu'ils viennent, ils vont trouver leur compte dans ça. C'est la nature qui nous a donné ça au Cameroun. Voilà l'eau dans l'autre bout là.